nous venons renouveler l'inscription nous dans le KEPA. Qui parti? Parti haïtien tête calée. Donc, nous t'es inscrit déjà ou du moins? Nous t'es inscrit déjà depuis 2012, nous t'es inscrit. Konya, nous venons confirmer l'inscription. Ça veut dire que PHTK pour participer dans l'élection? Nous avons participé dans l'élection à tous les niveaux. Nous préparer déjà qui ça? Oh, nous préparer. Si nous allons à l'élection, c'est que nous préparer. C'est que nous travaillons, c'est que nous sommes candidats. On va voir nous sommes candidats dans tout le pays et nous allons à l'élection. Nous allons à l'élection, enfin, nous participer dans l'élection à tous les niveaux. En termes de projet de société, qui ça PHTK a gagné comme projet de société pour vous payer? Bon, normalement, nous allons continuer la vision du président Matelien. Vision Maté, président Matelien, nous connaît ses goumets pour tout le monde qui a l'école, goumets combattre la féminisation de la pauvreté, c'est et améliorer conditions haïtiennes. Attention mon frère. Mars 2011, c'est une grosse date. C'était date retour, leader organisation, président Jean-Bertrand Aristide. Jeudi 18 mars, nous, 4 années après, nous venons inscrits dans CEP, nous venons inscrits organisation politique Femi Lavalas pour la participer dans l'élection libre, honnête, démocratique et inclusive. Inscription, son première étape. Et nous avons pour nous continuer l'autre étape pour nous faire en même temps élection et mobilisation pour nous assurer nous que le processus là a mené à des élections libres, honnêtes et démocratiques. Aujourd'hui, ce qui passé là, montre-nous que retour en fait tout bon vrai. On retour et retour président Aristide annoncé retour Femi Lavalas au pouvoir. Retour pour nous continuer toute belle bagaille nous te compte faire. L'école pour tous, éducation pour tous, manger pour tous, et travail pour tout le monde, et la peine en tête, la peine en vente. Et comme CEP a demandé pour parti politique qui était déjà inscrit, vient confirmer l'inscription. Et que, comme le Conseil patriotique a toujours dit, nous tenons à participer aux prochaines élections. Donc, le parti politique a été inscrit. C'était moi-même qui ai eu mandat comme grand conseiller du parti pour nous inscrire. Donc, je dis à nous venir pour nous reconfirmer la participation, nous inscription en vue de notre participation aux prochaines élections. Nous allons participer dans l'élection, à quel niveau nous parlons? Le Conseil patriotique a participé à tous les niveaux. Tous les niveaux. Kazek, délégué de ville, magistrat communal, député, sénateur et la présidence. Ok, son parti qui gagne. Bon, Rodolphe Vazil, c'est grand conseiller de conscience patriotique. Et jusqu'à présent, conscience patriotique, pour qu'on fasse choix, un candidat à la présidence ouais, pour partir. Hein? Mais nous pensons que d'ici 2-3 semaines, nous connaissons qui est-ce que conscience patriotique a présenté comme candidat à la présidence. Quel projet de société conscience patriotique gagne pour le pays? Écoutez, moi-même, pas que nous parlons de bien, moi-même, je vous dis, le véritable projet de société pays a gagné, c'est la constitution. Hein? C'est lui-même qui trace la route pour nous, le vivre ensemble, c'est la constitution. Hein? C'est lui-même qui protège et qui montre, qui fait nos obligations pour nous protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Maintenant, la conscience patriotique a travaillé sur un programme politique côté que nous avons tenu compte du territoire, nous avons tenu compte des situations économiques pays, des situations sociales pays, et surtout de institutions républicaines. Je pense que c'est à travers 4 bagages que la conscience patriotique pour articuler le programme. Au PL, nous toujours dit que nous voulons pour gagner l'élection et nous allons mener le combat électoral. Ainsi donc, une délégation composée des dirigeants du parti, de Whistler, de l'ancien président Vasco Ternilan, de Saint-Fort, de Franklin
et sénateur Yvel Chéri qui doit nous rejoindre, nous venons là, au nom de l'OPL, nous faire dépôt de toutes pièces que vous demandez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, pour l'OPL, le combat électoral est déclenché pour nous. Alors, ça qui comprend logique OPL là, que vous embarquez avec nous, pour nous aller faire le changement que l'OPL veut aller. Car conditions d'existence matérielle peuple haïtien, les pages correctes, c'est OPL avec son projet, le PSRN, et que peuple haïtien a bas OPL ce privilège pour diriger le pays. Alors, pas grand quoi OPL, l'en bataille. Organisation L'Avenir, moi-même en tant que coordonnateur national, Organisation L'Avenir, nous devons confirmer présence nous dans l'élection qu'on a fait là. Et c'est une raison matérielle, nous sommes là dans le CEPA. Et il faut que nous disions encore une fois, L'Avenir, Organisation L'Avenir, qui déjà présenté comme un gros parti politique dans le pays, qui croit dans la démocratie, qui croit dans l'alternance politique, et croit que, depuis, il était toujours demandé élection dans le pays. Et je dis, les partis politiques ont une opportunité pour y aller dans l'élection. Nous croyons que toutes conditions sont remplies, je dis, pour les partis politiques participer dans l'élection. Et nous croyons que c'est la raison ça fait que nous venons confirmer l'avenir et participation à l'avenir dans l'élection aujourd'hui dans le CEPA. Nous sommes confirmés et participation à nos prochaines élections. Nous sommes inscrits déjà. À la mobiliser pour toute portion ou bien on va participer quand même à l'élection. À quel niveau? Tous les niveaux, on a présenté. Et période électorale là. Bon, ça va le déterminer comme nous faisons partie du groupe 22. Et nous parler chita ensemble pour nous déterminer, n'est-ce pas, un plan d'action que je peux garder au coulier, parce que même si je n'ai pas de pâme dans la tête, parce que si nous avons fonctionné en groupe, il faut nous tous pencher sur ce problème-là et jouer une solution unique.